Donc, je m'appelle Marie, je suis cofondatrice de J&Joy. J&Joy, c'est la première crèmerie végétale de France. Faire des alternatives au fromage qui soient disponibles pour le plus grand nombre dans les supermarchés bio. Et donc aujourd'hui, on vend principalement en France, mais aussi en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne. Donc, nos alternatives sont faites à base de lait d'amande et noix de cajou, qui sont ensuite fermentées et après affinées. Il y a un affinage qui est très doux. Cet affinage-là, ils vont réveiller, et ça dépend de quel mélange. Si on parle d'une croûte fleurie, ben on va mettre des pénicillium avec des jotricum. Ça dépend de quel produit, on va mettre peut-être deux jotricum. Si vous avez par exemple un produit qui est frais, vous allez avoir des bactéries lactiques. Donc voilà, ça dépend du produit. On développe d'abord un cahier des charges qui est très lié à notre façon de manger, parce qu'il était d'abord pour nous. Donc il ne faut pas l'oublier, on est d'abord notre propre consommateur. Moi et mon mari, nous sommes végétaliens. Mais auparavant, on avait une grande habitude, c'était très ancré parce qu'avant, on était végétarien. C'était très ancré dans nous, aller au fromager tous les samedis au marché. L'objectif, c'était vraiment de retrouver ces plaisirs qu'on avait perdus parce qu'on ne mangeait plus de fromage. Et en tant qu'ex-consommateur, grand consommateur de fromage, bah, on voulait retrouver nos habitudes, aller à la fromagerie, acheter un demi-sec. Avant, mon fromage favori, c'était les Poulignies demi-secs. Bah, je veux retrouver ces habitudes-là. Je vais vous montrer ici, j'ai une alternative au bleu. Bah, même au tout début d'affinage, bah, le goût, il est là, il est très fort. C'est une croûte fleurie à base de lait d'amande et noix de cajou. Vous avez aussi une alternative aux chèvres à base de lait d'amande, noix de cajou et lait de coco. Vous avez aussi une alternative aux pâtes à tartiner. Et vous avez ici un petit au poivron. Une alternative au foie gras. Ça vient aussi, ça s'appelle du jour gras. Donc, celui-là, il vient de la demande des clients. Alternative au yaourt, à base de riz, de noix de cajou. Vous avez aussi des épices, de l'ail frais. Vous avez des sans lactose et différents types de maladies inflammatoires et chroniques. Vous avez des gens qui mangent 100% végétal. Vous avez des gens qui sont sportifs, qui veulent manger un petit peu plus équilibré avec plus de protéines, des minéraux, des choses comme ça. Vous avez aussi une quantité de gens qui sont très gourmands, un peu foodies, qui cherchent de nouvelles tendances de nourriture et manger des choses qu'on connaît, mais autrement. Vous avez les bleus aussi, qui est plutôt aux alentours des 6. Ça dépend du magasin aussi, ça peut être un peu moins. Voilà. Mais nous, on essaye de s'aligner à peu près à tous les magasins et essayer d'avoir une offre qui, certes, aujourd'hui, elle est chère, mais que chaque année, de notre part, en tant que gens qui mangent 100% végétal, bah, on essaye de baisser les prix pour les rendre les plus accessibles possibles. Finalement, J&Joy, son objectif, c'est mettre les végétales au centre de l'alimentation. C'est très joyeux, c'est très gourmand, c'est d'offrir des alternatives qui sont délicieuses. Donc, c'est ces paramètres-là qui vont guider tout ce qu'on fait.